Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bon moment que nous n'avons pas publié de nouvelles vidéos sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, nous venons avec ce nouveau tutoriel spécial, très spécial. Nous allons essayer de voir l'utilisation de l'application Crash Aviator Predictor. Eh bien, comme vous le savez déjà, pour ceux qui le savent bien sûr, l'application n'est pas du tout disponible sur Play Store. L'application n'est pas du tout disponible sur le Play Store. Donc, vous allez suivre correctement jusqu'à la fin de la vidéo et ne pas rater aucune étape afin de connaître comment entrer en possession de l'application, comment l'installer et enfin comment l'utiliser pour à des fins rentables. Donc, sans plus tarder, pour pouvoir ouvrir l'application, nous aurons besoin de. Donc je disais, nous allons utiliser l'application WinRAR. Et je suis déjà dans l'application WinRAR. Parce que le format du fichier en fait ici est en zip. Donc il y a pour l'APK et zip. Tout ceci va dépendre du format dont vous voulez. Maintenant avec le format APK, on n'a pas besoin de WinRAR. Une fois entré en possession de l'application, on l'installe directement. Maintenant, avec ce format-ci, vous devez extraire l'application avant de pouvoir l'installer. Donc, une fois vous l'ouvrez avec WinRAR, vous êtes dedans, vous choisissez l'application. Et vous êtes là. Installé. Installation en cours. Voilà, installation, application installée. Ouvrez, regardez, ouvrez. On attend le chargement. On patiente. La connexion, voilà. Donc c'est toujours en cours et c'est bien normal, donc c'est pas du tout un problème parce que l'application comporte plusieurs interfaces et il y a beaucoup de choses qui sont inculquées dedans. Donc voilà, et la vidéo était en pause. Voilà, maintenant à ce niveau, donc vous devez passer à une inscription. C'est comme one insert. Donc ici au niveau de INSOF, vous sélectionnez votre devise. Sélectionnez votre devise. Si c'est dollar, vous sélectionnez le dollar, franc CFA. Alors ici par exemple, nous lorsqu'on prend le franc CFA pour le pays, on prend le Bénin. Vous insérez également votre contact, votre mail. Et ensuite, vous définissez un mot de passe. Maintenant, ici, lorsque vous avez un code promo, vous ajoutez le code promo. Maintenant, pour ceux qui seront intéressés, nous allons mettre un code promo dans la description de la vidéo. Puis, vous vous inscrivez. Donc voilà, se retrouve. Une fois l'inscription terminée, vous allez vous retrouver face à une interface comme celle-ci. Donc ici, le compte est déjà ouvert. Nous avons un compte actuellement. Et comment se fait le dépôt
et les paris. Pour pouvoir commencer à utiliser l'application, vous devez recharger votre compte. Vous appuyez ici en haut, recharger. Donc ici, vous avez plusieurs moyens de paiement, à savoir le Perfect Money, le Card Master, MoneyGo, Voucher et enfin les crypto-monnaies. On va supposer que nous voulons procéder au dépôt à travers les crypto-monnaies. J'appuie ici. Maintenant, vous devez choisir le crypto dont vous voulez utiliser. Prenons par exemple Tron, procéder. Donc, vous avez la possibilité de déposer de 6 000 à 100 000, quelque chose comme ça. Go to the payment. Donc, ils vont vous générer une adresse grâce à laquelle vous allez envoyer votre tronc. Donc, vous voyez, c'est l'adresse. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous copiez l'adresse. Soit vous allez scanner votre tronc adresse dans votre wallet. Ici, on a la possibilité de modifier. Bon, il y a de l'anglais et le russe, je pense. Ici, ce code est à garder. Le invoice. Ce code vous sera demandé automatiquement lors de la transaction. Donc c'est un peu ça pour ceux qui désirent connaître la fin et la totalité du tutoriel. Les informations seront mises dans la description de la vidéo. En attendant, nous allons essayer de collecter d'abord ces applications. Ensuite, pour ceux qui sont pressés aussi, nous avons un guide d'utilisation pour le Crash Aviator. C'est aussi une application. Il y a aussi la version en document en PDF aussi. Donc, pour pouvoir connaître l'utilisation, vous devez forcément entrer en possession de l'application. Donc, nous vous remercions pour votre attention.